tous, on se retrouve sur Ancestors Legacy afin de poursuivre notre campagne sur l'ordre teutonique. Nous avions commencé avec la genèse du soulèvement prussien en jouant Hercus Monte. Ouais, c'était ça. Et puis finalement, on s'était retrouvé à défendre une forteresse du côté des teutoniques. Et puis je pense qu'on va poursuivre du côté des teutoniques. C'est assez logique. Après tout, on joue l'ordre teutonique avec la bataille de Christburg. La mort du Hochmeister, ou Hochmeister, je pense qu'on doit dire Hochmeister, avait complètement désorganisé l'ordre teutonique. Plutôt que de combattre au grand jour, les rebelles se tapirent dans les ombres pour verser le sang chrétien. Quand Conrad eut vent de l'attaque contre le château de Christburg, il s'y rendit aussitôt avec la fine fleur de ses chevaliers. Au même moment, le pape Clément IV proclama une nouvelle croisade contre la Prusse. Ok, c'est reparti. La guerre continue. We thought cutting off the head of the Order would destroy them for good. But after Helmerich von Rechenberg's death, the Order pulled all its diplomatic strings. Having convinced the Pope to allow the Order to accept lowlifes and criminals amongst their ranks, the brothers began drafting bandits from all around Europe, offering absolution and, more importantly, gold. Unaware of the impending danger, we decided to split our forces, focusing on strategic points crucial to the Order. Link, the leader of the Bart and Pogazon tribes, targeted Christburg, the mightiest of the Order's strongholds. But by then, my kinsmen were not aware that all of Europe, united by faith and gold, had decided to stand against them. Intéressant, on aura des nouveaux personnages normalement. On va être en 1000. Oh, on est en 1271. Mon God, looks like we're too late. The whole town is destroyed. Yes, but look, our flags still fly on the castle walls. Schnell, if any of our brothers survive, then we have to help them. Ok, on a qu'une portion de la carte qui est disponible pour l'instant. On va se rendre au château. Qui a été bien bien amoché. Il y a un village déjà ici, alors pour l'instant on n'a pas besoin de s'y rendre, et d'ailleurs on peut pas vraiment s'y rendre à moins de passer par là, mais on va suivre l'objectif. Ah, des adversaires. Alors on a Conrad, le fameux. Alors attendez, ouais non, bon tant pis. Tant pis, vous allez bouger, vous allez décimer les archers en face. Go! C'est bon, c'est easy. Ça c'est réglé. Une petite salve de carreaux d'arbalète. Et le dernier tombera. Unholy scum! These godless pagans were plundering our graves! Their souls will pay for this in hell. Meister! God has heard our prayers. You have arrived. The town was destroyed. But we managed to defend the castle. I'm taking over command here. Our first goal is to drive these filthy rebels out of the town. It would be wise to get that northern village back first. We will need its resources. Ok, alors plusieurs choses. D'abord, is it true only you survived the massacre at Lubava? Yeah, God wanted me to be a witness of that massacre. God works. In mysterious ways. Sergeant Trooper, take the high ground. Ok, bon. On a une solide base de repli. On va capturer ce village, du coup, c'est l'objectif secondaire. Il y a pas mal de monde, mais c'est pas trop un souci. Ah, ouais, quand même. On a eu des renforts. Notre héros, lui, va s'occuper de Ciblon les archers, tiens. Ciblon les archers, on a nos propres archers, d'ailleurs. Hop, on va cibler ça, quoique vous... Peut-être que vous serez plus efficace contre bah, les archers qui n'ont pas pu être ciblés. Oh, vous êtes fort. Avec vos armures, vous allez vous occuper de ces gens-là derrière.
Nickel, alors vous, là-dessus, un petit peu, tac. Vous, vous rentrez, on est attaqué, ouais, ça tombe bien, comme ça on aura des gens pour défendre notre base. À quel point c'est grave? Un des cavaliers. Attaquons ça, tiens. Oh, toi. Ah mince. Hop, on va les faire reculer juste un tout petit peu. Hop, on se refait, puis ensuite on pourra attaquer ces cavaliers. Je sais pas à quel point lancer des éclaireurs, ça. Ça devrait le faire. Avec une escouade complète. Ok, toi. Tu vas pouvoir capturer ça. Ah bah non, mais du coup, il y a eux. Ok, on est complet. Ah, il y a une autre escouade. Ça, c'est gênant. On va pas pouvoir être efficace contre tout ça. Hop là. Et on aura des hommes à récupérer. Voilà. Ah ouais. C'est un peu limite. Ah ouais, la vache. Bon, on va perdre une unité, là. On va tout renvoyer. Et à partir de là, on a les ressources nécessaires. Déjà, hop, on fait ça. Pour avoir encore plus de ressources. Par contre, ce qui serait intéressant de faire, ce serait d'améliorer nos unités. Coup de recrutement. Pour l'instant, on va explorer avec ce qu'on a. Et puis, on comblera ce qu'on peut ici. Ah, oui, tiens, on peut faire des maisons, peut-être, non? Ah non, d'accord, donc on est limité. Alors, hop. Bah c'est bien ça. Va donc t'occuper de ça. Repérer. Des archers à cheval. Et là, on va te les allumer. Ah, on n'a plus le... On n'a plus la vision sur ces gars-là, alors allons-y. Où sont-ils donc passés? Allez, go, les gars. On a déjà battu 4 hein, en une salve. Hop, voilà, le vrai affrontement, c'est là que ça se joue. Voilà, il y a le risque de... Ah, voilà. Ça, c'est bien. Voilà, vous allez vous rendre utile ici, très très bien. Magnifique, là c'est bien joué. Ah, du contact, des archers qui sont venus au corps à corps avec nos arbalétriers, mais il n'y a rien à faire. Nos arbalétriers ont clairement le dessus, sont déjà niveau 4, mais donc. Et on poursuit. Vous, vous pouvez... Hop, bah, très bien, c'est vrai que j'ai la possibilité d'améliorer mes hommes ici. Nickel. Hop, et on l'achève. Très bien. Au suivant. Il en reste encore, hein. Apparemment. Faire un petit tour au sud avec Conrad. Ah, des cavaliers. Go, les gars. Et bim. Oh là là. Hop, tiens, non, on va te poser un petit peu. Il y a des cavaliers archers ici qui circulent. Ah, on se fait attaquer. Hop, bah tiens, bim. Exterminé. Ouais, hop, vous. Vous. Je pense que c'est les derniers, non? On a déjà battu pas mal de monde, là. Ah, il en resterait, apparemment. Et vous? Je crois que je suis déjà allé jusqu'au sud, mais... Il faut les trouver, les derniers.
Ah, vous êtes là, vous. Oh, il y en a d'autres. Oh là là, oh là là. Ah, nous, Conrad. Ouais, on va en souffrir de ça. Bah non, tue ça donc. Il aurait fallu qu'on tombe sur des archers, ouais, c'était mauvaise... Mauvaise pioche. Bim, Edin. Et voilà, on a attiré l'attention de trois gars déjà. Hop. Et voilà. Comment renverser la situation dans une escarmouche. Ici, si on a croisé d'autres gars... On s'est farci sans problème et je pense qu'on aura fait le tour. Hop, allez donc à la base. On a de la ressource, hein. Franchement, c'est sans problème. Par contre, il en reste apparemment. Ça, c'est très étrange. On renvoie les archers, mais... Et toi aussi, d'ailleurs. J'ai vraiment fait un tour complet, là. Donc je suis étonné. Quelle langue douce et chaleureuse que l'allemand. Alors, on va être un peu plus prudent, mais là, pour le coup, il n'y avait vraiment rien, on les a tous eus. Ah ah, crossbow troopen, ok. Il y en a là. Nickel. Alors là, on va vous arroser, les gars. Ah, il y en a d'autres, mais c'est pas vrai, ils sont... Ouais, bah du coup, on est foutu. Même là, nos arbalétriers sont pris dans l'affaire. Bon, espérons que ce soit les derniers, quand même. Alors, morale est à zéro. Allez, y'a plus rien là. Ok, bon. God is with us, brothers. Now let's rebuild and reinforce ourselves. We have to rebuild the church, stables and houses to get this town up and running again. Listen, the rebels will surely try to retake the town. We have to hold here until allied reinforcements arrive. Meister, there are three villages to the west and south. We can recapture them to gather resources. Ok, une notion de temps. On doit reconstruire Christburg. On a trois objectifs secondaires. On va se lancer là-dedans d'ailleurs, on a tellement de choses à faire. On va commencer par faire des maisons. This city is sacred. It is called Christburg because during the conquest of the city, our Lord Jesus Christ appeared to our brothers. An even greater reason why we cannot lose this city. Ah. Position. Toi aussi. Ouais, parce que je crains qu'il n'envoie des attaques à nouveau. Alors, des villages peut-être, et puis la partie droite de la carte également. Donc, on va partir avec notre groupe en entier, au moins jusqu'au centre de la ville. Coup de recrutement. Ah ben voilà, ça commence. Qui êtes-vous? Allez, hop. On va vous arroser, là. Bon, on va perdre quelques hommes avec les tirailliers. Ouais, hop, vous allez continuer par là. Les constructions vont s'enchaîner, ça va prendre du temps, mais au moins tout est lancé. Et puis, il nous faudra des tours. Les tours, je ne sais pas si elles vont être construites ici, dans la ville. Ou ici. Ben non, ici, c'est encore autre chose. Donc là, le village, on s'en fiche, en fait, des tours. C'est vraiment dans la ville que ça va être
capitale. Ok, donc vous, vous rentrez. On va garder ces quatre-là. Ils vont avoir pour tâche de conquérir le village ici. On va les placer là. Et eux, ben, ils devront protéger la ville. Bientôt, on aura des emplacements supplémentaires pour recruter des hommes. Mais avant ça, j'aimerais pouvoir réduire le coût de recrutement, en fait. Il y a plein de choses, en fait, que j'aimerais faire. Les armures, ça sera vers la fin. Ça aussi, du coup, je vais peut-être... Santé des lanciers. Ça, c'est une priorité. Alors, il y a du monde en face. On va envoyer Conrad en premier. Bon, après, c'est des paysans, des villageois. Hop, et les autres vont suivre derrière. Brother Conrad, God say thank you here. We've been defending this village against these savages. Men, let's help our brothers take back the other villages. Ok, donc on a des troupes avec nous. Et ils partent déjà à la conquête d'autres villages. Ouh, par contre, là, il y a du monde et je pense pas qu'ils se rallient à nous, ceux-là. On va envoyer Conrad. Si on arrive au contact des archers, déjà, on devrait éliminer cette escouade assez rapidement. Ouh, il y a du monde, il y a du monde. Par contre, là, on va bien les arroser. Puis on s'en fiche de ces petits alliés en vert. Hein. Allez, vous là-dessus. On se fait bien arroser derrière, par contre. Hop, peut-être que nos archers pourraient s'attaquer à ceux-là, et les arbalétriers à ceux-là. Ok. Pas mal. On va pas tenir très longtemps, par contre. Hop. C'est lui qui encaisse, hein, pour l'instant. Par contre, les archers en face, il n'y en a presque plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Génial. Conrad. On va le replier juste un petit peu. Ouh, pourquoi il va là? Non, il va plus loin. Il va par là. Et hop. Et là. Ok, on se replie. Par contre, là, on risque de les perdre. Complètement. C'est très, très tendu. On leur fait quelques dégâts, là, mais... Je crains de ne pas avoir le temps, en fait, de... Bon, il y a toi, là. Ah, c'est très, très gênant, ça. Hop, on va revenir là-dessus. Nous, on les bloque un petit peu. Conrad va revenir. Les autres sont rentrés, hein. Ils n'avaient pas le choix. Les archers également. On les retient un petit peu et on se replie complètement. Bon, au moins, ils ne retraversent pas le village. Ça, c'est plutôt cool. Hop! Voilà, là, on a peut-être les moyens d'en abattre un petit peu. Pendant ce temps-là, on fait un maximum de tourelles pour que notre village B, ici, soit bien défendu. Hop! Et là, on rentre complètement parce que c'est très, très dangereux. Heureusement qu'il n'y a qu'une tour. Elle fait déjà bien assez mal. Ouf, c'est pas passé loin. Bon, j'ai une tour pour défendre. Mince, ils s'attaquent à la maison. Pendant ce temps-là, les maisons continuent de se construire. Là, c'est bien. On n'est pas trop attaqué en plus. Hop, très bien. Nous, il nous reste un cheveu de vie. That's good. Ok, là on va les abattre sans trop de difficulté. Oh, ils sont là. Très bien, nos alliés sont présents. Je pense pas qu'on pourra les contrôler. Ok, on a le schéma final de la mission qui se dessine. Un camp ennemi à abattre. Mais une énorme troupe de... soldat qui est arrivé ici. Nous, on a peu d'hommes, mais on va pouvoir les bloquer avec notre héros. On n'a pas fini les objectifs secondaires. Base ennemie à détruire, il y en a deux même. Ok, bon, au moins, il a un camp. Là, il faut vraiment qu'on les ralentisse. Ouais. Allez, hop. Alors, attendez, hop. Vous allez vous mettre là. Les archers vont se mettre là. Et puis, normalement, ils vont pouvoir tirer sur tout ce qui bouge.
aussi rallié. Non, tu parles. Eh oh, oh là. Voilà, nos alliés arrivent. Et vous, vous allez abattre les archers qui sont là. Tiens, mange donc ça là. Allez, allez les gars. Hop, et voilà. It's a sacred deed, and God will reward us for it. Ah bah dis donc, les alliés là, c'est plutôt cool, hein. Bon, par contre, on va pas récupérer les villages pour les ressources, ça c'est un peu triste. Et y a vraiment, la carte est grande, hein. Alors, nous c'est bon, on a fait le ménage, on va pouvoir se mettre dans leur dos et les allumer. Bon, ce qui est rassurant, c'est que les alliés vont pas trop... Enfin, ils vont finir par s'essouffler, ça c'est certain. Mais au moins, ils vont se refaire après. Parce qu'ils ont un camp. Donc normalement, ils vont se refaire. Nous, ici, on est plutôt serein. On va faire une troisième ici. On va reconstruire les maisons qui ont besoin d'être construites. Après, on ira se poser tranquillement. Avec la quasi-totalité de nos unités. Non, il n'y a que deux unités qui ont besoin d'être posées. C'est celle-là et celle-là. Les autres, celle-là elle est tranquille, celle-là elle a juste besoin de se poser un petit peu, Conrad aussi. Et on va pouvoir récupérer les ressources qui sont là, parce que c'est un peu du gâchis, de même qu'ici. Et puis ensuite on ira s'attaquer au village D, puis il y a celui-là aussi. Ouais, il y a de la matière. On dirait une carte d'escarmouche en fait. C'est assez étrange, il y a une symétrie sur la carte. Hop, celle-là aussi. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, les cuirassiers, c'est tellement fort, ça. Dégâts des archers augmentés, ouais. C'est bon, nous, on est prêts. Allons récupérer les ressources avant de s'attaquer au village D. On va faire confiance à nos alliés pour défendre le centre-ville. Et vous allez récupérer les ressources qui sont là. On pourra bientôt tout faire. Parce qu'on en a de la ressource, mine de rien. Ça se régénère assez vite. Et voilà. Voilà. La ville est toujours dans un sale état, mais bon. Disons que les bâtiments les plus importants ont été... remis sur pied. Hop. Je sais pas si elle a la ressource également directement dans le village D. Espérons qu'on soit assez nombreux pour le conquérir. En tout cas, il y a deux tours déjà, c'est pas mal ici. On pourra se défendre en cas d'attaque. Très bien. Par contre, ce qui est un peu triste, c'est que... Oh non, par contre, vous allez suivre la même direction, les gars. Ce qui est un peu triste, c'est qu'il ne profite pas des ressources. Donc là, il y a un camp, mais on ne sait pas à quel point il sera capable d'améliorer ses unités ou d'en faire de nouvelles. Quant à nous, on peut continuer ici. Défense, ouais, mais ça, on s'en fiche un peu. Santé de Zarbeltry, ça, je veux bien. Ça, je veux bien aussi. Oh là, on a attaqué, là, personne ne réagit. Il nous faut des hommes, parce qu'on ne va pas pouvoir compter sur eux, apparemment. Ah, il y a une tour. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai fait une tour. Des cavaliers, il nous faut des cavaliers. La tour va s'occuper d'eux, mais voilà, il y a du monde derrière qui arrive. On va faire des lanciers aussi, parce que ça marche plutôt bien, les lanciers. Ok, on va les stationner là, et puis on va attendre que nos nouveaux hommes arrivent. Ah, très bien! Le conflit commence. Ah, je me disais aussi, l'eau. Allez, c'est bon! Allez, éteindre donc l'incendie, là. Nos cavaliers vont pouvoir nettoyer les archers, là. Enfin, nettoyer, on se comprend, hein. Hop, là, on les gère. Oh, mince! Ouais, du coup, on va se faire avoir, là. Ah, oh là là, ils sont très très nombreux, en plus. Allez, une petite charge là-dessus. Allez! Allez! Allez, go les gars!
On a pas l'effet de la charge en plus. Ouais. Défensif, allez, il faut qu'on puisse tenir les... Ici, ok. Ah, ils attaquent, hein. Bien. Il y a du monde. Il y a pas mal de monde, on va les chercher. En plus, il y a des tours en plus, hein. Non, il faut que... Ouais, ça c'est pas mal. Là, ça c'est bien. Allez, hop. Ok, et là on va soutenir Conrad, parce que sinon on va pas pouvoir tenir très longtemps. Très bien, nous on va se planquer là. Ok, les archers, go ici. Les arbalétriers sur le flanc. Ouais, par contre, c'est gênant, attendez. Bon, on va battre le dernier, parce qu'il en reste un. Voilà, c'est chose faite. Toi, tu as trop pillé un tout petit peu, voilà. Faites leur peur, donc. Et on va trouver un angle de tir pour les achever définitivement. Nos archers, quant à eux, vont pouvoir bientôt allumer la tour. Attendez, je me demande si je prends le contrôle directement du bâtiment, là. Ouais, non. On est obligé de se replier. Là, on les allume. Ouais, non, ça marchera pas. Ça ne marchera pas, hop. Bon, là, on peut toujours les avoir, mais... Pour le village, ça va être autrement plus compliqué. Conrad, lass uns gehen. Hop, allez. Allez donc, terminez-les là, voilà, hop. On se replie jusqu'ici. Nos hommes, voilà, ils sont rentrés ici, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? On répare une maison qui est abîmée. Ça, ok. Coup de construction, bof, on s'en fiche, mais en même temps, on peut tout faire. On peut tout faire, ouais. Très bien. Et là, on va faire des cavaliers en plus. Et du coup, c'est là qu'il faut les renvoyer. En fait, il faut les renvoyer directement auprès de l'hôtel de ville. Et là, ils vont se refaire. Ouais, le problème, c'est qu'il y a des tours dans ces fameux villages. L'objectif n'est pas de les prendre, mais bon, je vais le faire quand même. Parce que... On a besoin de plus de nourriture. Nos cavaliers vont nous aider à prendre le contrôle. Donc, ce que je suis en train de me demander, c'est... Très bien. Ils vont nous le dire à chaque fois. Bon, eux, ils ont contre-attaqué, c'est bien ça. Mais ils se font attaquer ici. Est-ce qu'on va envoyer nos cavaliers? Pourquoi pas? Sinon, ça va pas tenir. Il y a une tour. Ah, il en fait une deuxième, hein. C'est pas ridicule. Aïe, 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 aïe. On va s'occuper d'eux, au moins. On sent là l'autre tour, elle va balayer ça. Ouais, mais ils ont besoin de ma cavalerie. Ok, allons-y, parce qu'il y a du monde derrière qui en réclame. Génial. Hop, génial. Ouais, la charge, elle a été complètement foirée, par contre. Il faut être prêt à se replier, là. On va leur faire mal, mais ce sera peut-être pas suffisant. Ouais, surtout qu'il y a des lanciers. Il y a des lanciers, donc hop, on se replie. Nous, ici, bah, j'hésite, en fait, à partir au village D. J'ai envie de partir au village D. Et on va faire confiance à nos lanciers pour aller au sud. On va peut-être prendre d'autres arbalétriers. Et des archers, hop. Bon, là, pendant ce temps-là, il se fait massacrer. Là, les deux tours, elles font bien le boulot. Ouais, parce qu'il a cherché à nous pourchasser. Et finalement, ça va se retourner contre lui. Ouh, c'est tendu, là. Donc, le bâtiment est détruit alors qu'il a presque rien perdu. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, mais vous, votre place n'est pas là, les gars. Hop, on va les améliorer. Ouais. Tout ça, c'est très bien, ça. Allez, objectif, détruire ça pour le capturer. On va voir si les tours s'effondrent d'elles-mêmes. Ou même, encore mieux, si on peut les capturer. On a beaucoup de fer, tiens, on va améliorer ça. Non, elles sont détruites, ok. Il n'y a pas de matériaux de construction à prendre. Très bien. Hop, et là c'est un cul-de-sac. Non, on va passer ici pour s'emparer du village H. Hop, toutes les ressources. On peut tout faire, c'est génial. Très très bien. On est riche. Hein. On est riche. Bah, qu'est-ce qui vous arrive au cavalier là? Normalement, vous auriez dû aller là. On perd la nourriture, mais plus pour longtemps. Vu le nombre de villages qu'on va capturer. Ah, ils sont là, ils sont dans le brouillard de guerre. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas donné l'ordre depuis tout à l'heure. Quand même. Hop, et vous allez rejoindre ici pour défendre le village G. En avant. En avant pour le village H. Ce qui nous manque en fait dans ce jeu, c'est aussi une petite, un petit symbole qui montrerait. Ah mince, on a perdu tant d'hommes. Ah mince. Qui nous montrerait l'écoulement du temps, jour, nuit, le cycle jour, nuit, un truc tout simple, comme on avait sur par exemple Warcraft 3, un truc très discret en fait, mais qui nous montrait le passage du jour et de la nuit. Parce que ça a un impact quand même sur notre champ de vision notamment. Ouais, on a perdu du monde en route. Alors, où sont les adversaires? Ah, il n'y a personne, allez en avant! Génial! Parce que là, on se fait allumer. Allez, heureusement que les verts réagissent un petit peu. Allez, vous là, une belle salve. Et voilà, balayé. On va peut-être faire une jonction directement ici. Quoique, on va peut-être se stationner là. Faire appel à notre cavalerie. Comme ça, on aura une force complète pour pouvoir s'attaquer au village E. Non, F plutôt. Ouais, le village E loin au nord, je sais pas si on va aller le capturer. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup. Par contre, ça peut valoir le coup. Là. Ouais. Génial. Hop, hop. C'est quoi le problème? Ok. Allez, bah pourquoi pas. Parce que ça va sans doute se faire en deux temps, la conquête. Allez, en avant. On est nombreux, là. Hop. Alors, comment agir de manière la plus intelligente possible? Déjà, on va se fortifier. Première étape. Allez, bim! On va intercepter des cavaliers, ou plutôt eux nous intercepter, mais ils vont le regretter. Nickel. C'est déjà ça en moins. Et hop, très bien, bah ça c'est très bien. On n'aura pas à agir de manière intelligente, parce que nos alliés ont fait l'effort de s'avancer vers l'adversaire. Par contre là, ça... Hop, et vous? Directement sur... Non, le village en priorité. Il y a des tours là qui sont gênantes par contre. Non, non. Ok, les tours. Et vous, le village. Si on prend le village, on pourra faire des tours à notre tour. Ouais, c'est un petit peu à l'arrache là. Fais confiance à ceux-là pour prendre le contrôle. Oh là là. Hop. Heureusement qu'on a un village pas loin pour... Oh, il y a des troupes, là. Pour se régénérer. On a celui-là aussi, maintenant. Et plus on se renforce, plus l'ennemi s'affaiblit. Allez, objectif ici, se refaire un petit peu. Allez, il y a des tours partout. Ok, hop. Toi aussi. Il y avait un truc, là. Voilà, un gain de niveau.
Conrad. Oh, on les a complètement dégommés avant. Ouais, si on pouvait faire ça, ce serait pas mal. Ah, mais la tour, elle est condamnée, là, très bien. Ça, c'est le travail de nos archers derrière. Allez, on fonce là-dessus. Nous, on s'est refait. Ouais, à peu près. La tour ici, elle est condamnée également. Ah, il faut vraiment détruire la caserne. C'est la caserne, là, le problème. On se replie. Archerie, l'archerie. Oh, oh, oh. De quoi je me mêle? Ok, les tours sont détruites. La caserne. Très bien. Eh, les archers là-bas, hop là, disparaissez. Non, ça je m'en fous. L'archerie, la rigueur, on a perdu une unité. Ah, j'ai pas fait attention. Mais voilà, le contrôle ici. Ah, l'écurie. Bah voilà, l'écurie. Le cavalier contre l'écurie. Hop. Hop, la caserne est détruite. Très bien. Allez, tout le monde sur l'écurie. Les archers ici. Allez donc dégommer ça. Allez, du coup, ils ont cramé la tour qui était même pas construite. Hop, vous repliez-vous. Allez, dès que c'est fini avec l'écurie, c'est bon. Eh ben non, ça résiste, hein. Hop, on va se poser, tranquille. Et que eux qui peuvent pas le faire et qui vont s'occuper du coup des archers cavaliers. Ah non, bah du coup, contre eux. Feu intense, allez, hop. Allumez-les donc. Ah, c'est tendu. C'est tendu, mais nos cavaliers vont pouvoir intervenir. Non, contre eux. Rentrez. Hop là. Ce serait dommage de perdre des archers de niveau 4. Et vous, par contre, vous allez hop faire ça. Mais rentrez définitivement. Ah, il y avait une tour. Non. Bah. Je pensais l'avoir eu, celle-là. Il en reste un hôtel de ville, Forge. Ok. Bah, est-ce que tant qu'il y a l'hôtel de ville, il peut refaire des bâtiments. Oh là là, on a encore perdu une unité. Ok, on a perdu toutes nos unités à distance. Bon, on va refaire ça, maintenant c'est pas un problème. Ok, ça crame, on peut s'occuper d'eux. Tout de suite après... On s'occupe de la forge, après on s'occupe de la maison, après on rentre ici. Ah ouais, mais en même temps, il ne va pas nous laisser faire, hein. Ok, la forge, elle est pliée. Vous, objectif, vous rendez ici. Attaquer défense, ça c'est bien. Ouais. Ok, une fois que c'est fait, ça. Ouf, là. Ah non, ouais, on peut pas se défendre. Pas contre les archers, du moins. Allez, les cavaliers. Ah, dommage, ils ont été éclairés le temps d'un instant. Ah, voilà, ils se font avoir, là. Très bien, nous, on va rentrer là, justement. Ah, hop. Ah, ça va pas durer longtemps. Ok, on a rencontré une petite patrouille entre deux. Et voilà, l'autre base, bah, elle est juste là. On aura le même problème avec toutes les tours qui sont disposées autour du camp, mais
Vu notre force, ça devrait aller assez vite. Allez hop, en plus c'est ça. Très bien. Ok, eux ils sont vraiment bloqués. Il y a un problème. Ok, c'est peut-être la tour qui débloque. Est-ce que vous êtes capable d'aller là? J'ai l'impression que tous les cavaliers ne sont pas là. Il y en a 4 et il y en a un cinquième qui est bloqué là. Non? Si je vous dis d'aller là, est-ce que vous en êtes capable? Purée quoi, il y en a un qui suit pas. Allez, voilà. Eh ben, laborieux. Allez en avant, alors on va prendre le groupe piéton. Ah, on a oublié eux. Archer, balétrier, c'est super important ça. Et si on attaque par là? Parce que là je vois qu'il y a une tour ici et une autre tour là. S'il n'y a que ça, on peut se permettre de s'attaquer, de stacker eux par là. Ah ouais, non, il y a des rochers. Eux ils vont intervenir quand on aura vraiment découvert l'ensemble de leurs troupes. Ah ah! Oui, on se calme. Ah bah là, tiens, les cavaliers. Allez, go! Allez, là, on les balaye. Yes! Cette efficacité, là. Bien! Allez, là-dessus! Là, on va cibler ça. Alors, par contre, les arbalétriers, non, ce sera pas leur travail. Ok, on les a balayés, là aussi. Et on va s'occuper de l'écurie en premier. On va les allumer dans l'ordre, proprement. Ah, t'es fatigué déjà. Allez. Allez, il faut qu'on ait le temps de tirer encore. Et une petite dernière salve. Ok, l'archerie pour eux. Ok, c'est bon, c'est parti. Maintenant, on fait plus l'archerie. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont pas améliorés du coup. Morale. Voilà, c'est bon. Détruit. L'archerie va tomber. Vous allez allumer la caserne pendant qu'on se bat. Bon, en fait, ils étaient pas si mal en point que ça. Ah, bah toi. Il va donc occuper la tour un peu là. Et vous... La tour. Ouais, mais du coup, on est occupé là. Allez-vous. Allumez-les donc. Hop. Là-dessus. Ah, ils sont en contact, en fait. Ouais, il semblerait. On a mal, hein? Ok, ils sont condamnés. On les abat. Vous allez revenir là, même si, voilà, on arrive sur la fin. La tour va être détruite. Non, non, bah, allez donc là-dessus, là. Hop. Ah, bah, très bien, ils sont libres. Allez, hôtel de ville. La caserne est en déliquescence. Il y a peut-être une... Voilà, il y a une unité encore qui sort, mais bon. C'est la fin pour vous, les gars. Hop, maintenant. C'est vraiment fini. Bon, grosse partie quand même. Hein. Et encore, j'ai pas été chercher le village E. Mais une grosse partie de conquête sur tout l'ensemble de la carte. On n'était pas limité à un petit endroit. Bah, reconstruire Christchurch, je sais pas quoi. Il me semble avoir tout fait. Pas qu'on se pose. En attendant, l'effondrement total de ce bâtiment. Et notre victoire sur l'adversaire.
Bon, l'allié aura fait son petit bout de son petit chemin en fait. Il aura servi un petit peu à quelque chose quand même. La forge, ça compte. Bon, apparemment. Si on va détruire une maison aussi, on va le faire. L'escouade est attaquée. Par quoi? Ouh! Une tour! Non, non. Oh, d'accord. Si, on y va. Par contre, vous. Je vais peut-être pas vous perdre, donc je vous renvoie. C'est peut-être ça, en fait. Le problème. Ouais, c'est la tour, le problème. Ah non! Oh, voilà. Ouais, là c'est incontestable. Il y a eu quelques résistances, mais quand même, c'était juste un peu long. Et on les aura écrasés. Christburg a été défendu. Très bien. Bon, j'espère que cet épisode n'a pas été trop long à votre goût. La conquête a été lente, mais sûre et pas trop de difficultés. On se retrouve bientôt pour le 4e chapitre de cette campagne dédiée à l'ordre teutonique. Prenez soin de vous. Salut à tous.